On veut pas laisser passer le départ. Tu vas encore bloquer l'emploi pour les jeunes. Et vous, madame, vous dites rien. Vous n'êtes pas concernée. Ah non, mais moi, je suis pas là pour faire de la politique. Je suis là pour faire quoi aux élèves que ça intéresse. Lorsque je l'ai rencontré, votre mère distribuait des tracts pour le PC. Ok, j'ai été communiste pendant 3 ans. Y'a pas de honte. Très bien. La classe prépa, normal sup, tout ça, c'est grâce à toi. Je voulais te le dire. My daddy m'explains, so they fly. C'est son chouchou, papa, tu sais. Ah, le fils qu'elle aurait aimé avoir. Celui qui est tout le contraire de moi, tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Excusez-moi, je dois partir. C'est ma mère, elle est folle, je dois m'occuper d'elle. C'est la 3e fois cette semaine et à chaque fois pour rien. Il était mignon comme tout le petit pompier qui s'est occupé de moi. Me dis pas que t'as encore allé t'acheter des fringues. Ça tient depuis longtemps ? Depuis un certain temps. On voulait te soumettre le projet de remaniement de ton manuel. Une couverture plus moderne, plus agressive, qui accroche le regard. On dirait des pubs pour bonbons Haribo. De toute façon, nous les femmes, après 40 ans, on est bonnes à jeter à la poubelle. Je suis sûr que tu vas retrouver quelqu'un, il n'y a pas de raison. Tu fais comme si tout allait continuer comme avant. T'es sur quelle planète ? Réveille-toi ! C'est pas possible, ce chat. Faut absolument que j'arrive à m'en débarrasser. Pourquoi tu le donnes pas ? Personne n'en veut. Un vieux chat noir, obèse en plus. Tu veux bien aller à des manifs, signer des pétitions ? Ça remet pas en question ton mode de vie. Mon mode de vie bourgeois, tu veux dire ? Quand j'y pense, j'ai retrouvé ma liberté. Une liberté totale. C'est extraordinaire.